tous. Nous ne sommes pas très nombreux aujourd'hui, mais vous êtes quand même les bienvenus. J'espère que nous passerons un moment béni tous ensemble. Je voudrais vous inviter à commencer ce moment de méditation par le cantique numéro 304. Jésus, je te suivrai partout. Continuerons avec le cantique 217, Seigneur sanctifie, 317, pardon. Prions ensemble. Seigneur, tu es un Dieu qui t'approche de nous, qui vient à notre rencontre, qui est là où nous sommes deux ou trois rassemblés en ton nom, et nous te disons un immense merci pour cela. Que ce moment de méditation puisse nous aider, nous enrichir, nous élever, et que nous puissions partir d'ici avec quelque chose en plus que ce que nous avions ce matin en arrivant. Sois auprès de nous tous, nous te confions tous ceux qui ne sont pas avec nous, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à lire donc ce texte qui se trouve dans Genèse au chapitre 28, versets 16 au 21, texte qui servira d'introduction à la prédication de Michel, que nous sommes heureux d'accueillir une fois de plus parmi nous. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit « Vraiment, le Seigneur est en ce lieu et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit « Que ce lieu est redoutable, ce n'est rien de moins que la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin, prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, il en fit une pierre levée et versa de l'huile sur son sommet. Il appela ce lieu du nom de Bethel, mais le nom de la ville avait d'abord été Luz. Jacob fit ce vœu, « Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger
et des habits pour me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Il y a quand même un avantage à être le prédicateur, c'est que je peux enlever le masque. Je vous souhaite à tous le bonjour. Je vous apporte également le bonjour de vos frères et sœurs de l'église de Namur. Ce matin, je vous emmène en voyage. Un grand voyage à travers toute l'histoire biblique. C'est ce qu'on appelle souvent, c'est ce que moi j'appelle en tout cas, des fils rouges. La dernière fois que je suis venu, je vous ai parlé d'un fil rouge. C'est-à-dire un thème, une histoire, une notion qui va traverser toute l'histoire biblique. Et ce matin, je vous en propose un deuxième fil rouge. Depuis le début de l'humanité, il y a transmission de l'histoire. Transmission de la relation avec Dieu. Ou de la non-relation avec Dieu. Transmission aussi de la volonté de Dieu. Et depuis les origines, ça se fait de façon orale. Ça passe de génération en génération. Et à partir d'un certain moment, on va commencer à mettre tout cela par écrit. Et vous trouvez d'ailleurs plusieurs fois dans la Bible des moments où Dieu spécifiquement demande de mettre par écrit pour que ça reste, pour que ça soit transmis de génération en génération. Cette transmission va se faire à travers les familles. Oh, la plus célèbre, Abraham, Isaac, Jacob. La transmission se fait aussi à travers un peuple qui sera le peuple d'Israël. La transmission se fera aussi par des prophètes qui vont être envoyés par Dieu à certains moments de l'histoire. Cette transmission va aussi beaucoup se faire par une foule d'anonymes. J'aime beaucoup parler des anonymes. Hein, on n'est pas tous célèbres, hein. Beaucoup d'anonymes aussi qui ont transmis de génération en génération. Et pour le croyant, c'est toujours comme ça, à travers l'Église du Christ. Et j'aimerais comparer ce parcours de l'humanité à une course. Oh, je ne l'ai pas trouvé tout seul, c'est déjà dans la Bible. Une course contre le mal, une course pour le bien. L'apôtre Paul va d'ailleurs reprendre cette image. Nous pouvons lire dans Actes 20, verset 24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Tout être humain est engagé dans cette course. Qu'on le veuille ou non. Mais pour le croyant, cette course, ce parcours, se fait en partenariat avec Dieu. Partenariat avec Jésus. Une course qui se fait aussi à travers le plan du salut. Ce que Dieu a mis en place pour que l'être humain puisse retrouver ce qu'il n'aurait jamais dû perdre au départ. À cause du péché. L'histoire de l'humanité est comme une grande course vers la terre promise. Et la ligne d'arrivée définitive, c'est le retour de Jésus. En attendant, pour vous et pour moi, cette course dure le temps de notre parcours de vie. Et ce n'est pas n'importe quel type de course. Je suppose que vous avez une idée de ce que c'est. C'est un bâton relais
ou un témoin. Ça s'appelle un témoin. Intéressant aussi ça. Pour les courses relais. Vous avez peut-être déjà vu aux Jeux Olympiques, par exemple, les courses relais. Des équipes de quatre, et chacun court une partie de la longueur et passe le bâton, le témoin, au suivant qui fait la suite du parcours. Et dans une émission sportive, on expliquait que la course relais, pouvait se gagner ou se perdre dans la façon dont on passe le relais, dont on passe le bâton. C'est ça qui peut faire perdre ou gagner la course. Le témoin est symbolisé par un bâton relais. C'est former et laisser sa place pour qu'un autre puisse participer et faire un bout de chemin. Et l'histoire de l'humanité, c'est une grande course où l'on transmet de génération en génération. On transmet des valeurs. On transmet des pratiques. On transmet des croyances. On transmet des histoires. On transmet plein de choses. Bon, bien évidemment, comme toute comparaison, il y a les limites. Mais il faut en retenir l'image, le symbole pour l'appliquer dans notre parcours de chrétien. C'est vrai que, à la différence des courses relais qui se font aux Jeux Olympiques, nous ne courons pas les uns contre les autres, mais nous courons tous en parallèle, dans la même direction, dans le même objectif. Ce n'est pas une compétition entre nous. Mais cette idée de course revient plusieurs fois dans la Bible. Et ce passage de relais, j'aimerais l'illustrer par plusieurs exemples. Des exemples de l'Ancien Testament, des exemples du Nouveau. La plupart de ces exemples, vous les connaissez déjà. Moïse. Moïse, chargé par Dieu de sortir le peuple d'Égypte pour le conduire en terre promise. C'est une extrêmement lourde responsabilité pour lui et pour ceux qui vont l'assister. Et ce voyage qui aurait dû durer entre 3 et 4 mois va durer 40 ans. Parce que le peuple arrivé au Jourdain après 3-4 mois ont eu peur de rentrer en terre promise. Et Dieu a dit, bon, vous voulez pas y aller, ben, on va attendre la génération suivante. Et ils sont restés dans le désert pendant 40 ans. Moïse va être à la tête du peuple, mais un jour, il va perdre patience. Il va perdre patience, il va désobéir à Dieu. Et il va se voir privé de l'entrée en terre promise. Du moins, la terre promise terrestre, Canaan. Ah, la punition est sévère. C'est vrai qu'il est le responsable du peuple vis-à-vis de Dieu. Mais quand même, après tant d'années à s'être préparé, après avoir passé 40 ans dans le désert avec le peuple, et si vous lisez l'histoire, on a étudié le Deutéronome, mais lisez l'Exode aussi. Vous verrez que Moïse n'a pas eu facile. Il avait une lourde responsabilité. Et après toutes ces années passées, là, à l'entrée de la terre promise, Dieu dit non. C'est pas toi qui vas rentrer. Bien sûr, nous savons que Dieu avait quelque chose d'autre à proposer à Moïse, d'encore bien plus grand. L'entrée en terre promise céleste. Mais s'il y a quelqu'un dans la Bible qui aurait pu être frustré, c'est Moïse. Enfin, c'est mon avis. Et pourtant, on ne voit rien de tout ça. Moïse accepte. Nous savons avec le recul que, ben oui,
Moïse avait encore une autre mission à remplir pour Dieu. Et Dieu va lui dire, voilà, Moïse, tu rentreras pas en terre promise, mais bon, il faut quand même bien quelqu'un pour reprendre la responsabilité. Et c'est ce que l'on trouve dans les Écritures, dans le Deutéronome. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. C'est Josué qui va reprendre la lourde responsabilité de conduire le peuple en terre promise. Et ce qui est remarquable, c'est que Moïse va continuer à l'accompagner jusqu'au moment où ce sera l'heure de son départ. Oui, Moïse a passé le relais de chef du peuple, il l'a passé à Josué pour que Josué puisse continuer ce qui était en train de se passer. Oh, un autre exemple qu'on connaît aussi. Élie. Élie, c'est un grand prophète. Grand prophète de l'Éternel. Et pourtant, Élie aussi, Dieu va l'inviter à passer le relais. Et c'est Élisée qui est choisi. On peut lire dans 1 Roi 19:19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec le 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Ah, ici, le relais, ben, c'est symbolisé par le manteau. Élie va donner son manteau à Élisée. Et Élisée, il a très bien compris ce que ça signifie. Il a très bien compris ce geste. Dans la suite du texte, on nous dit, Élisée, quittant ses bœufs, courut alors après Élie et lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui dit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Élisée, désigné comme successeur d'Élie, va partir avec Élie, on dirait aujourd'hui en stage de formation. Il va partir en formation. Et Élie va le former, va continuer son parcours. Il va accompagner Élisée jusqu'à un certain moment où Dieu va le reprendre. Au cours de l'histoire de l'humanité, il y a aussi l'exemple de tous les anonymes. Tous ceux qui ne sont pas Élie, Abraham, Isaac, Jacob. Une foule d'anonymes qui ont pourtant aussi rempli leur parcours de course. Des anonymes qui n'ont pas forcément été responsables d'un peuple, ni dirigeants, ni grands penseurs, mais des hommes, des femmes, des enfants qui se sont impliqués dans le plan de Dieu. Chacun à leur niveau, chacun avec leurs possibilités, chacun avec leurs connaissances. Mais ils ont vécu avec Dieu. Et d'ailleurs, dans la Bible, on trouve beaucoup de généalogies. En général, c'est les textes qu'on n'aime pas trop lire. Les généalogies bibliques nous montrent aussi ces passages de relais, de génération en génération. Vous trouvez des généalogies de famille, des généalogies de rois, et la généalogie de Jésus. Si nous passons au Nouveau Testament, il y a l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est aussi un des hommes qui va faire un bout du parcours. Jean-Baptiste, c'est le prédécesseur de Jésus. C'est lui qui vient, en quelque sorte, préparer le terrain. Jean-Baptiste était connu.
Il avait des disciples qui le suivaient. Les foules allaient vers lui. Remarquez, ce n'est pas Jean-Baptiste qui va vers eux, c'est les foules qui viennent voir Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste connaissait sa place dans le plan de Dieu. On peut lire dans Actes 13, « Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi, vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier ses souliers. » Quand le moment est arrivé, Jean-Baptiste va passer le relais à Jésus. Jean-Baptiste avait bien compris sa mission. Jean-Baptiste est pour moi un personnage assez extraordinaire. Il connaît sa place dans le plan de Dieu et au moment venu, il a l'humilité de se mettre en arrière-plan pour que Jésus puisse prendre l'avant-plan. Vous connaissez ce texte ? Il faut qu'il croie, il faut qu'il croisse et que je diminue. Jésus doit prendre la place. Moi, je dois me reculer pour lui laisser la place. Jésus va aussi faire un bout du parcours ici-bas. Jésus va être évidemment le relais central, capital, vital pour la course au bien. Et toutes les Écritures sont là pour le dire. L'Ancien Testament présente le Messie qui va venir, le Messie qui va être annoncé. Les Évangiles nous disent quoi ? Le Messie, il est là, en chair et en os, avec nous. Et puis le reste du Nouveau Testament nous dit quoi ? Jésus, il est parti, mais il va revenir. Oui, le retour de Jésus marquera la grande ligne d'arrivée. Jésus va beaucoup prêcher en parole. Jésus va aussi beaucoup prêcher en actes. Il va enseigner son retour proche. Et quand on lit certains textes des évangiles, on peut comprendre que les disciples ont cru que Jésus allait revenir tout de suite, tout de suite. Mais Jésus avait des choses aussi à accomplir au ciel. Et la course de l'humanité va se poursuivre. Et pourtant, Jésus va se poser une question terrible. Pour moi, c'est une question terrible. Je vous le dis, il leur fera rapidement justice, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? C'est en quelque sorte Jésus qui se demande si tout ce qui a été accompli, tout ce qu'il a accompli, va servir à quelque chose. Jésus, si je devais le remettre dans le thème d'aujourd'hui, Jésus en quelque sorte se demande s'il y aura des relais jusqu'à son retour. Et sur la croix, Jésus va recevoir une réponse de la part de Dieu. C'est ce que j'appelle un clin d'œil de Dieu. Je pense avoir déjà fait une prédication là-dessus, ici. Un clin d'œil de Dieu, c'est que, bon, Jésus, il est sur la croix, tout le monde est parti, les disciples, ils sont plus loin, vous voyez, il y a bien Jean qui est là avec quelques femmes. Et là, sur la croix, il y a une conversion. Oh, c'est vraiment une conversion de dernière minute. Il y a là une conversion, mais comme pour dire à Jésus, tu sais, si apparemment tu es tout seul, il y en a un là qui vient de se convertir. Jésus prend conscience que même s'il n'y en avait qu'un seul à sauver, il a fait le bon choix.
Jésus va lui aussi passer le relais à ses disciples. Et on voit aussi Jésus qui va former ses disciples. Il va aussi les envoyer en un petit voyage missionnaire. Et dans le livre des Actes, c'est presque le verset le plus célèbre du livre des Actes, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Sous l'impulsion du Saint-Esprit, les apôtres et les disciples vont prendre le relais. Plus tard, Saul de Tarse va se joindre à l'équipe, en quelque sorte, et va aussi utiliser cette image de course. C'est le texte que je vous ai lu tout à l'heure. Les disciples, Pierre, Paul, Barnabas, vont prendre des relais pour le bien de la mission donnée par Jésus-Christ. Ils vont être des rassembleurs autour du Christ, des organisateurs de communautés, des formateurs dans l'Église du Christ. Le texte de Paul nous montre aussi qu'il ne faut pas se tromper de course. Le croyant est engagé dans la course pour Christ et avec lui. Les motivations de participation dans cette course est de travailler pour Dieu, d'être partenaire de Dieu, de s'engager dans le plan du salut au travers de ma vie. Devenir chrétien, c'est pas prendre ma vie et mettre un tout petit peu de Dieu, surtout dans les endroits où il risque pas trop de nous secouer. Non, devenir chrétien, c'est entrer dans le plan de Dieu, pour qu'il puisse remplir ma vie de sa présence. Mais pour ça, il faut qu'on lui laisse de la place. Toutes ces personnes dont on connaît le nom sont de grandes figures, mais il y a aussi plein de relais d'anonymes qui se sont passés au cours de l'histoire. L'Église du Christ va aussi prendre le relais jusqu'au retour de Jésus. Et je ne parle pas ici d'une dénomination, je parle des chrétiens qui suivent Christ et qui forment l'Église de Christ. C'est-à-dire l'ensemble des croyants qui vont suivre Jésus. L'Église, c'est chacun d'entre nous. Les enfants, j'en vois pas beaucoup aujourd'hui, les enfants, les jeunes, les adultes, les mi-vieux. Les mi-vieux, c'est comme moi. Les personnes âgées. Une petite parenthèse, je vais me permettre une petite parenthèse. Souvent, j'entends les enfants et les jeunes, c'est l'Église de demain. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Les enfants et les jeunes, c'est l'Église d'aujourd'hui. Ils font partie intégrante de notre Église aujourd'hui. Je referme la parenthèse. Nous sommes tous dans cette course. C'est vrai que certains sont plus en vue que d'autres, mais ce n'est pas parce que je suis ici sur l'estrade que je suis plus important que vous. On est tous engagés dans cette grande course relais. Parfois, on reçoit un ministère pour un peu de temps, parfois pour longtemps. Quand vous regardez l'histoire des prophètes, vous verrez qu'il y a des prophètes qui ont été prophètes toute leur vie, et d'autres qui ont été prophètes pour remplir une mission bien spécifique. Ce qui est important, c'est d'être tous ensemble dans un même but. Et j'insiste sur le « tous » et le « même ». Tous ensemble dans un même but. Et on devrait parfois beaucoup plus y penser. Les apôtres étaient des rassembleurs autour de Christ. Et cela malgré parfois des divergences d'opinion. Si vous lisez le livre des Actes, vous verrez que ça grince parfois un petit peu. Mais pourtant, ils arrivent quand même toujours à pouvoir passer au-dessus.
d'enlever les tensions qui peuvent apparaître dans l'Église naissante, parce que l'Église naissante avait ses problèmes aussi. Il y avait les chrétiens d'origine juive qui amenaient leurs traditions, il y avait les chrétiens d'origine païenne, et parfois ça grinçait. Et les apôtres, les disciples, j'allais dire, essayaient de mettre un peu d'huile dans tout ça, pour que ça ne grince plus, que tous ensemble, ils puissent avancer. Et c'est la même chose pour nous. Nous devrions être des rassembleurs autour de Jésus. Parce que plus on prend de temps pour régler des problèmes internes, des problèmes de temps et d'énergie, moins on a de temps pour, et d'énergie pour être des rassembleurs autour de Jésus. L'important, c'est qu'on avance dans cette course pour le bien en Jésus-Christ. Et si on est aujourd'hui, si je suis ici aujourd'hui avec vous, c'est parce que il y a eu des gens qui ont passé le relais de génération en génération. Et c'est arrivé jusque nous. Et quand ça arrive jusque nous, c'est pas fini. Parce que nous aussi, on doit passer le relais pour poursuivre cette course. Et cette course ne peut réussir que si Dieu, Jésus et l'Esprit nous accompagnent, qu'ils soient en première ligne. Nous sommes engagés dans la même lutte pour le bien avec Dieu. Nous avons tous un bout de chemin à faire ici-bas. Nous sommes tous engagés dans cette course, qu'on le veuille ou non. On y est engagé de façon personnelle, on y est engagé aussi en tant que communauté. On peut tous faire quelque chose, petite ou grande chose. Dans notre vie, nous pouvons tous faire quelque chose. J'ai connu une sœur qui, malheureusement, est décédée déjà depuis pas mal d'années, mais quand elle était plus jeune, elle était bonne bricoleuse. Alors, elle fabriquait des objets. Elle avait fabriqué, par exemple, un présentoir pour mettre... Vous savez, dans le passé, on mettait les numéros des cantiques. Elle avait fabriqué ça, elle fabriquait des choses. Quand il y avait une fête avec les enfants, elle fabriquait des objets. Puis bon, ben, la vie a passé, elle s'est retrouvée au home. Et puis, quand j'allais la voir, elle me disait, Michel, ça ne sert plus à rien. Moi, je dis, arrête, faut pas dire ça. Et puis on discutait avec elle, et puis elle me disait, mais tu sais, je prie 2 heures par jour pour chaque personne de la communauté, en les citant par leur nom. Je dis, mais c'est magnifique. Tu vois, tu es au home ici, et tu fais quelque chose d'important. Prier, intercéder. Nous pouvons tous faire quelque chose. Nous avons tous un rôle à jouer dans la mission de Dieu. Et nous sommes tous responsables du bon déroulement de la course, ou pas. Jésus dira que celui qui donne ne fût-ce qu'un verre d'eau à son prochain, que c'est bien. Je vous le dis en vérité, dans Matthieu 25, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Oui, quand on fait du bien autour de soi, c'est comme si on le faisait pour Jésus. Revenons à cette question terrible que Jésus se posait, de se demander s'il y aurait encore de la foi sur la terre à son retour. Je vous dirais que c'est à vous et à moi à pouvoir dire, oui Seigneur, je suis là encore là, je suis là, nous sommes là, malgré nos imperfections, mais on va tout faire pour cette course, pour le bien. Dans une course, il y a aussi un facteur important, un facteur très important. En football, si vous vous intéressez un petit peu au foot,
on a ce qu'on appelle le troisième homme. Et le troisième homme, c'est qui? C'est les gens qui encouragent. C'est le public qui encourage. Oui, dans cette course, nous avons aussi besoin d'être encouragés. On devrait aussi parfois beaucoup plus y penser. Encourager. On devrait beaucoup travailler sur ce point. Un jour, une personne est venue me trouver, c'était les nominations. Elle est venue me trouver en disant, Michel, écoute, voilà, on me propose une responsabilité, mais je ne sais pas quoi faire. Parce que j'ai peur que si j'accepte, on va me critiquer. Et je lui ai répondu, de toute façon, si tu n'acceptes pas, tu seras quand même critiqué. Malheureusement, parfois c'est comme ça. Et après, on s'étonne que parfois, quand il y a des nominations, ben, les gens ne sont pas toujours très chauds pour s'engager. Oui, apprendre à s'encourager, à voir chez les autres ce qui est bien. Oh, on a tous des défauts, hein. J'ai des défauts aussi, hein. Des gros, des petits. Mais essayons de voir ce qui est bien chez les autres. C'est ce que Jésus arrivait à faire. Quand il rencontrait quelqu'un, il arrivait à trouver ce qui est bien, à pouvoir l'encourager. Oh, parfois en remettant les points sur les i, hein, mais toujours avec amour. En conclusion, nous vivons dans un monde en mutation, un monde qui bouge beaucoup, et un monde qui bouge beaucoup de plus en plus vite. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut faire avec. Et le Covid n'a rien arrangé à l'affaire. Et l'Église, les communautés, doivent aussi pouvoir s'adapter. Alors, depuis 2 ans, on a appris à s'adapter, hein, trouver des plans B, même des plans C, des plans D, hein, pour arriver quand même à pouvoir être des rassembleurs autour de Christ. Oui, hein, on est obligé d'être imaginatif, d'être créatif. Et il n'y a pas que dans l'Église, hein, les commerçants, certains ont dû être très créatifs pour ne pas mettre la clé sur le paillasson. L'Église aussi, et nous aussi, nous devons nous adapter. Mais nous avons un grand défi, c'est de nous adapter sans perdre l'identité à Christ. Alors, j'allais dire, j'ai mis au point une petite recette. Je vous suggère quelques points de réflexion. Hein, vous pouvez faire votre propre recette. Voilà, mais je vous propose quand même quelques pistes. La première, c'est une relation toujours plus intime, plus grande avec Dieu, avec Jésus. L'étude de la parole, la prière, des expériences, faire le bien, toutes sortes de choses qui nous permettent de nous mettre à la disposition de Dieu. Renforcer dans notre engagement dans cette course pour le bien. Et là, je parle de notre engagement personnel dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on peut faire autour de nous pour faire du bien, pour être des rassembleurs, pour pouvoir apporter quelque chose aux autres, même si les autres n'en veulent pas toujours. Notre responsabilité n'est pas de les convaincre à tout prix. Notre responsabilité, c'est de semer, de montrer un exemple, de pouvoir être là, à disposition. Le point suivant, c'est que nous soyons tous dans la même équipe, celle de Christ. Que ça soit notre objectif, tous ensemble, rassemblés autour de Christ. Même si on a, oui, des différentes opinions, tout le monde ne pense pas exactement la même chose. Mais ce n'est pas pour ça que nous ne pouvons pas former une bonne équipe. Ce n'est pas pour ça que nous ne pouvons pas avancer dans cette course pour le bien. Être un chrétien rempli d'amour.
dégager de l'amour autour de soi. C'est quelque chose d'important de pouvoir donner. Et c'est pas toujours des grandes choses. Parfois, ça nous semble parfois insignifiant. À un moment donné, bon, là où je travaille, le midi, il y a un petit zoning commercial, donc parfois je fais mes courses pendant le temps de midi. Et il y avait là devant un magasin un monsieur étranger, je ne sais pas trop de quelle nationalité, roumain, quelque chose comme ça. Et bon, quand j'allais au magasin, je me voyais difficilement sortir avec mes courses et faire semblant de rien. Ça, c'est plus fort. Voilà. Alors je lui donnais quelque chose. Et puis un jour, je me suis dit, il a peut-être besoin d'autre chose. C'est pas pour vanter de fleurs, hein, c'est pas l'objectif, c'est pour montrer que parfois des petites choses. Un jour, je lui ai serré la main. Et puis je lui ai donné ce que j'avais à lui donner. Et la fois suivante, quand il m'a vu arriver, donc il était toujours assis, quand il m'a vu arriver, il s'est levé pour venir me serrer la main. C'est quelque chose qui, pour moi, n'a rien d'extraordinaire, mais pour lui, ça avait une signification. Nous pouvons être des porteurs d'amour par des petits gestes simples, parfois. Être un chrétien en marche, de façon positive et de source d'encouragement. Être un chrétien qui s'éloigne des critiques, des médisances, des jalousies. Il faut s'éloigner de tout ça. Ça n'apporte rien de bon. Que notre leitmotiv, c'est le dernier point, que nous puissions être des chrétiens remplis d'amour. D'amour pour Dieu, pour Jésus, pour les autres. Et il y a encore un point, mais je ne l'ai pas noté, et pour nous-mêmes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ton prochain, comme toi-même. À la question de Jésus, trouverai-je encore la foi sur la terre? L'apôtre Paul a apporté une réponse. Dans 2 Timothée 4, verset 7, et c'est la réponse que je vous propose pour chacun d'entre nous et pour moi-même. De pouvoir dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Oui, nous sommes tous en marche vers la terre promise. Que Dieu nous aide à tenir bon dans cette course pour le bien, tous ensemble. Amen. Je vous invite à terminer ce moment en chantant le cantique 300. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en visant en sacrifice mon corps et mon esprit. Levons-nous pour chanter le cantique 300, les quatre strophes. Accepte mon offrande.
toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Prions ensemble. Père Céleste, nous voulons te remercier de ce moment que nous avons pu passer autour de ta parole. Père Céleste, nous voulons te demander de travailler nos cœurs, travailler nos esprits, de prendre possession de nos vies, afin que nous puissions être à l'œuvre avec toi pour le bien. Aide-nous à être des chrétiens rassembleurs autour de toi. Aide-nous à être positifs, à voir ce qui est bien chez les autres. Aide-nous à nous éloigner de la critique, de la jalousie, des rancœurs. Aide-nous, Seigneur, à être des artisans de paix. Que nous puissions tous ensemble parcourir ce chemin que tu nous proposes. Que nous puissions être à ton service, que ce soit dans notre vie quotidienne, que ce soit dans notre communauté, que nous puissions être tous ensemble dans cette course pour le bien. Bénis toutes les familles que nous représentons, sois avec chacune d'entre nous. Que ta main paternelle reste sur chacun d'entre nous. Accompagne-nous, Seigneur, pendant cette journée de sabbat, qu'il puisse être à ta gloire. C'est au nom de Jésus que je te demande ces grâces. Amen. Que nous puissions chacun être un relais dans la main de Dieu pour réaliser son projet pour nous, pour ceux qui nous entourent. Je vous souhaite un beau sabbat et une bonne semaine. À bientôt.